Alors, soit ombrageuse, ils veulent un champi grimpant de qualité noble. Et alors, on en trouve à les hautes altitudes sur la montagne flottante de Pandora. Montagne flottante. Et c'est en dessous. On va se rapprocher pour putain, la maniabilité, ça donne envie de gerber. Arrête de tourner, ramasse-moi ce truc. C'est dommage qu'il l'ait fait si peu maniable. Ils auraient pu faire une compétence qui nous permet de le manipuler comme un hélicoptère, notamment dans cet arbre-là. Une fois maximisé, ça aurait été vraiment appréciable. On va retourner donner notre pouce. Alors par contre, il y avait des bases en dessous, je les ai avant de chercher, je les ai détruits pour être sûr que si je tombe sur le bon truc, qu'on me dise pas ah bah non, c'est pas propre. Voilà. Ce qui vient du ciel profane la terre. Fini pour la partie 2. On bloque directement la partie 3, putain, il y en a 7. C'est un peu long, c'est intéressant le principe, mais ultra répétitif. Hein. Quand on sait en plus qu'il va falloir le faire pour les deux autres camps.